fin de matinée du 22 mai 2001, deux marchands de tapis marocains parcourent les rues d'un petit village proche de Colmar, nommé Gundolsheim. Les deux hommes se sont partagés la tâche et les parcours. Mohamed Mazzini, un petit homme moustachu et grassouillé de 46 ans, remonte la rue principale, puis s'engage sur la gauche, dans une rue sans issue, la rue du Château. Un tapis sur l'épaule, il remonte la rue pentue, méthodiquement, en sonnant à chaque numéro. Qu'on lui ouvre la porte ou non, qu'on discute avec lui ou qu'on le repousse, il reste serein. À 12h30, un coup de feu claque brusquement. Mohamed Mazzini est allongé en bas de la rue du Château, une balle dans la tête. Quand moi je l'ai vu, il était déjà couché par terre. Et après, bon, j'ai appelé pour les secours et puis bon, les gendarmes sont venus, quoi. Mais moi, je croyais carrément que c'était un malaise. Hein. Je pensais pas du tout que c'était un meurtre, quoi. Le sang, il coulait jusqu'en bas. Quand moi, j'ai regardé, j'ai dit, oh là là, tout ce sang, quoi. Mais moi, pour moi, c'était toujours encore un malaise. Hein. Moi, j'ai pas fait... Mais oui. 6 ans plus tard, alors qu'il est détenu pour d'autres faits, un homme de 36 ans, Emmanuel Rist, est dénoncé et il avoue le meurtre du marchand de tapis. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Il reconnaît avoir tué cet homme et de l'avoir exécuté avec une arme, mais en revanche, il ne reconnaît pas une quelconque préméditation telle qu'elle lui est reprochée dans l'ordonnance de mise en accusation. Mohamed Mazzini travaillait en France, mais il rejoignait plusieurs fois par an sa famille installée au Maroc. Je représente la veuve de M. Mazzini, ses 5 enfants et tous ses frères et sœurs. Ce qu'ils attendent, eh bien, c'est bien évidemment des explications. Et qu'est-ce qui explique que M. Rist se soit cru autorisé, comme ça, à tirer à bout portant sur quelqu'un dans la rue? Le procès d'Emmanuel Rist débute le 20 juin 2011 pour 4 jours d'audience devant la cour d'assises du Haut-Rhin, siégeant à Colmar. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis les faits. 25 témoins et 5 experts ont été convoqués pour déposer. Emmanuel Rist est détenu depuis janvier 2006 à la centrale d'Enzisheim. Il a aujourd'hui 41 ans et renvoyé pour assassinat. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Vous restez là pour les 4 jours? Ouais. D'accord. Bon, alors je vais vous emmener et je vais vous présenter au président et au parquet et à la greffière. Seul le fils aîné de la victime, Mimoun Mazzini, 26 ans, a fait le déplacement accompagné d'un interprète. Un homme solitaire et discret attend patiemment. C'est Mohamed Beladri, l'autre marchand de tapis, l'ami de la victime. Et vous rentrez aussi? Il rentre au... Vous rentrez dans le... Ça va, ça va. Oui. Tous les témoins de la rue du Château sont venus témoigner. Après la fouille de circonstances, ils vont s'asseoir dans la salle, aux côtés des autres témoins et des futurs jurés. L'accusation est représentée par un magistrat d'expérience et de culture, l'avocat général François Jurdet. Les intérêts de la famille Mazzini sont représentés par Maître Anouk Levenedel. En face, la défense d'Emmanuel Rist est assurée par Maître Renaud Betcher. Depuis ses précédentes apparitions publiques, Emmanuel Rist a peu changé. Un peu moins de masse musculaire peut-être, mais toujours le crâne rasé, la barbe bien taillée et le regard froid et inquisiteur. La cour. Voilà, veuillez vous asseoir. Les débats sont dirigés par le président Bernard Meyer. La veille du crime, les deux marchands de tapis ont prospecté la région de Münster.
Au matin du 22 mai, ils arrêtent leur choix sur la petite ville de Ruffach, entre Colmar et Gundolsheim. Ils y arrivent à 9h20 et prennent tranquillement, à l'ombre de l'église, un café à l'Ours Noir. 20 minutes plus tard, ils entament leur tournée, qu'ils achèvent vers 11h30. C'est à ce moment qu'ils décident de gagner Gundolsheim. Personne ne peut donc connaître leur destination. À 12h05, ils pénètrent dans le village et garent leur voiture devant la mairie. Là encore, les deux hommes se séparent. Belladri prend la partie inférieure de la rue principale et la rue basse. Mazzini remonte la rue principale. À peu près au même moment, Emmanuel Rist, selon ses dires, arrive à Gundolsheim par la même rue principale. Il passe devant la mairie, puis presque tout de suite, il aperçoit Mazzini, immobile, devant le portail du numéro 23. Il s'offusque de la présence de ce maghrébin sur la voie publique et décide de l'en chasser. Il sort du village, longe le cimetière, afin de pouvoir faire demi-tour le long d'un abribus, et il revient sur ses pas. À l'angle de la rue du château, il se gare afin d'attendre l'intrus, toujours à sa vue. J'ai vu garer à un moment à un endroit où personne ne se garait. Je pensais que c'était quelqu'un qui cherchait une adresse. Donc, comme j'avais la fenêtre ouverte, je pensais qu'il viendrait me demander. Il est repassé deux fois devant chez moi. Je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et puis, je l'ai revu après le meurtre. Donc, après que j'ai entendu le coup de feu. Voyant le marchand de tapis se diriger vers l'endroit où il est stationné, Emmanuel Rist renonce à déclencher une altercation au milieu du carrefour. Il décide de remonter vers l'extrémité de la rue du Château pour y attendre l'arrivée de Mohamed Mazzini. Au sommet, connaissant mal les lieux, il s'engage dans une impasse et fait lentement marche arrière. Puis il vient dissimuler son véhicule en haut de la rue, à l'angle de ce mur jaune. Derrière lui, la rue du Château se termine au portail de l'habitation d'une riveraine. On était à table en train de manger et j'ai vu une voiture monter de la rue du Château, avancer vers la rue de la Poterne, faire marche arrière vers chez nous et s'est garé un peu en biais. Et ce monsieur, il venait vers chez nous, vers le portail. Moi, j'ai pensé que c'était un agent d'EDF. Et il est reparti, et il est redescendu au coin de la rue du Château, l'angle, et il a guetté. De son poste d'observation, Rist observe Mazzini, son tapis toujours jeté sur l'épaule, sonner systématiquement à chaque portail, traversant la rue à chaque numéro. Enfin, Mazzini sonne à la dernière maison, au numéro 8, sur le trottoir opposé de l'endroit où se trouve à quelques mètres en retrait, Rist. Vers midi et demi, ça sonne. Il y avait un marchand de tapis. Il m'a rien demandé, il m'a rien proposé. Il s'est retourné et il est parti. Ce que le témoin ne voit pas, c'est la rencontre entre les deux hommes. Rist, selon ses dires, aurait tout de suite signifié à Mazzini qu'il n'avait, je cite, rien à faire en zone germanique et qu'il devait dégager. Sans protester, Mazzini rebrousse chemin et redescend la rue du Château vers la rue principale. Arrivé au carrefour, juste avant la borne d'incendie, Rist affirme que Mazzini s'est retourné vers lui en crachant, qu'il s'est senti agressé à son tour, qu'il a sorti son arme de sa poche, qu'il a armé et tiré, atteignant Mazzini à l'arrière de la nuque. Rist remonte alors les 80 mètres de la rue, récupère son véhicule, redescend la rue du Château et reprend la rue principale à droite, vers la mairie. Je l'ai vu partir très doucement, très normalement, et après j'ai vu le tapis et là j'ai compris de suite qu'il y avait un mort puisqu'on a vu du sang couler du tapis, donc j'ai mis les deux choses ensemble puisque c'était en simultané finalement, à quelques secondes près. Emmanuel Rist quitte Gundolsheim pour regagner par des chemins détournés son domicile de Sulzmatt. J'ai vu que c'était une Golf. Bon, la couleur, c'est vrai que moi, elle était noire pour moi. Apparemment, elle était bleue, je sais plus, mais c'était un bleu foncé, quoi. Mais c'était bien lui, oui, oui. Oui, c'était la même voiture. Un médecin des pompiers tente une manœuvre de réanimation sans succès.
J'ai resté une heure et demie comme ça. Après, il vient du docteur. Il dit, votre copain, ça y est, il est décédé. Je suis mal. Rist laisse très peu d'indices derrière lui. Le signalement d'un homme costaud, au crâne rasé, une marque de voiture et la douille percutée d'un antique pistolet 7.65 en usage dans la Wehrmacht. Il faudra attendre une dénonciation 6 ans plus tard pour que les témoins l'identifient. Au moment où on me l'a fait reconnaître sur des photos, tout de suite je l'ai reconnu parce que je l'ai vu de profil et donc là j'étais sûr que c'était lui. Cette version des événements est la troisième, présentée par Rist depuis sa mise en cause. Elle a deux mérites pour sa défense. La première est d'évacuer tout élément de préméditation. La seconde est de coller à peu près au témoignage des riverains. En revanche, elle est fragile sur l'acte meurtrier lui-même. Il faut imaginer un subit revirement de situation au cours duquel Mazzini se rebelle et menace à son tour son agresseur initial. Et il faut encore expliquer la balle reçue dans la nuque. Tout ce que je connais sur lui, donc c'est quelqu'un qui évite les conflits, qui évite la bagarre. Très bien. Il dit que ce n'est pas quelqu'un qui va vers l'autre pour se bagarrer. Moi, j'ai fait citer pour cet après-midi des clients qui disent tous que c'est quelqu'un de très respectueux, que quand il invite à prendre un café, il parlait de ses enfants, il parlait de sa femme, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Hein, c'est le contraire. Or, ce que dit M. Rist, c'est qu'il lui a craché à la figure et donc il n'a pas pu se retenir, il prend son flingue et il le tue. Et il dit ça pour éviter l'assassinat. Il est vrai qu'il y a des zones d'ombre, il n'y a pas de témoin. C'est la parole de l'un contre la parole de personne, contre la parole d'hypothèse. Je n'égratigne pas la mémoire de la victime, je la respecte, mais on ne sait jamais comment un homme est capable de réagir à une situation particulière, on n'y était pas. Ce qu'on sait quand même, c'est que ce monsieur a une certaine éducation, je parle de monsieur Mazzini, qu'il n'est pas agressif, qu'il fuit plutôt le conflit, qu'il a exécuté obtempéré quand on lui a demandé de descendre la rue. On ne voit pas pourquoi tout d'un coup il aurait fait demi-tour, parce que je pense en plus que M. Rist, vous voyez, 108 kilos à l'époque, il a vu son faciès, pas vraiment avenant, il ne devait pas avoir le regard spécialement amical. Retourner quand on a son petit tapis sur l'épaule et puis qu'on est plutôt un gentil monsieur, aller affronter la haine sur pied, ça m'étonnerait quand même. Je veux dire, c'est invraisemblable. Réinterrogé par le président, Rist s'arc-boute sur sa version. Il maintient avoir tiré par réflexe et explique que si la balle a atteint Mazzini par derrière, c'est que celui-ci se contorsionnait au moment du tir. La cour va donc examiner le peu que l'on sait de la personnalité de la victime. La cour. Madame, vous pouvez vous asseoir. Ces photos ont été retrouvées dans les affaires de Mohamed Mazzini. Ce sont celles de ses enfants et de tous les proches qu'il laissait au Maroc pour venir gagner la vie de la famille en France. Il y vivait chichement, dans des foyers, parcourant l'Hexagone et téléphonant rituellement à son épouse chaque semaine. Il y a des témoignages tout à fait concordants sur le fait que c'est un monsieur calme, jovial, qui était tout à fait gentil même. Alors, quand je dis concordant, c'est-à-dire que c'est les témoignages de sa famille, mais aussi ses amis et ses clients. Y compris d'ailleurs, c'est un monsieur qui a logé dans des foyers d'hébergement, les directeurs de foyers d'hébergement. Personne n'a jamais eu à se plaindre d'un comportement grossier, agressif, rien du tout. Calme, il n'y a pas de bêtises, il n'y a rien du tout. Voilà. Ça, c'est toujours, il est toujours de la tête. Voilà. Jamais j'ai fait quelqu'un comme lui, jamais, jamais. C'est dommage. Cette image d'un homme paisible sera aussi celle que relèvera l'enquête des gendarmes. À Roufac, rattrapé par l'épouse d'un vieil homme qui lui avait acheté un tapis, il remboursera sans perdre sa bonne humeur. Même image de sérénité à l'Ours Noir, où le patron avait pris l'habitude de le voir 2 ou 3 fois par an. J'ai connu, il passait chez moi vendre des tapis, et puis on avait sympathisé. Il buvait le thé, et puis voilà, ça durait 1 heure de temps, et puis
Et je venais 3-4 mois après, 6 mois. Et je buvais un thé, et puis voilà. Bah, il vivait dans un foyer à Belfort. Il nous avait même proposé, si on allait en vacances au Maroc, d'aller lui rendre visite, de rendre visite à sa famille. Voilà. C'était devenu un ami, quoi. Moi, je ne suis pas raciste. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas discuter avec, déjà. Hein. Je l'ai trouvé sympathique et puis gentil. La première journée d'audience s'achève sur un sentiment mitigé. Le scénario minutieusement élaboré par Emmanuel Rist, même s'il est psychologiquement fragile, sera difficile à battre en brèche par l'accusation. Fidèle à sa réputation, Rist est intelligent et toujours soucieux de contrôler la situation au mieux de ses intérêts. La deuxième journée sera consacrée au parcours de vie et à la personnalité de l'accusé. Emmanuel Rist est un personnage complexe et contradictoire. Il est capable, comme il le reconnaît, de tuer un homme, mais il se veut aussi artiste, caricaturiste féroce à la plume acerbe, mais bien assuré. Il a dessiné pour la presse régionale, mais aussi plus curieusement pour la section locale d'Amnesty International, qu'il a vite écarté en apprenant ses convictions racistes. En détention, placé à l'isolement, Rist a passé des centaines d'heures avec un professeur d'art plastique à réaliser une fresque murale. Très important, il faudra vraiment lui poser une question. C'est qui ? Gilles Humain, c'est le professeur d'art plastique de Nicolas qui ça, connaît mon évolution à travers l'isolement. C'est ça, c'est ça. Et... Ouais. Voilà. Okay. Emmanuel Rist a grandi avec ses frères et sa sœur à Pfaffenheim, un petit bourg très calme et traditionnel près de Ruffac. De son père peintre en bâtiment, il prétend qu'il était artiste peintre. De sa mère, infirmière à Ruffac, il affirme qu'elle était infirmière de haute montagne. Il dit aussi avoir été un bébé prématuré, promis par la médecine à une mort rapide, ce qui expliquerait la naissance de son frère 11 mois seulement après lui. Il soutient avoir été délaissé par ses parents, souvent absents. D'autres soutiennent qu'il a plutôt été choyé. Après l'école primaire du village, il a suivi quelques années, peu brillantes, de collège à Ruffac, avant d'être dirigé vers un lycée technique de Guebwiller, où il rate le brevet de fraiseur-ajusteur. Le souvenir que je garde, c'est d'un copain qui a toujours envie de rire et qui fait rire tout le monde et qui est... avec qui on s'amuse beaucoup. Parce que moi, j'ai connu, j'avais 16-17 ans. Et bon, c'est l'âge où on sort et on fait beaucoup de choses, où on a envie de bouger. Et c'est vraiment un très, très bon souvenir. Rist et ses copains se réunissaient tous les dimanches à l'Arbre Vert, qui était alors le seul établissement public du village, pour y disputer d'interminables parties de tarot. Les soirées se prolongeaient parfois fort tard. Quand eux, ils faisaient des soirées, ils faisaient l'animateur, ils faisaient des sketchs sur chacun, mais gentils, les petits défauts, ils savaient les repérer, très observateurs. Et on passait des soirées formidables à rire. Et... Quand ils parlaient, bah, tout le monde écoutait parce que ils racontaient, on savait qu'on allait rire, c'était toujours drôle et un bout en train, quelqu'un qui est bout en train, bah, on l'écoute forcément. Et prêt à rendre service, on avait moindre souci ou besoin de quelque chose, on allait lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de ça, tu peux m'aider, oui, oui, il n'y a pas de problème, il venait, on pouvait compter sur lui. À l'été 89, Rist est réformé du service militaire pour une jambe cassée 3 jours plus tôt. Cela ne l'empêchera pas par la suite de s'attribuer le grade de brigadier-chef. L'année suivante, il entre à la 7F, une entreprise d'aluminium de Soulsmat, où travaille déjà son père. Il est fasciné par l'image de puissance brutale que dégage le métal en fusion. 5 ans plus tard, après une formation de maître-chien, le voilà engagé à la protection de la centrale nucléaire de Fessenheim, le long du Rhin, à la frontière allemande.
C'est à l'époque de ses dessins en faveur des droits de l'homme. Des dessins revendiquant la liberté d'expression, mais toujours illustrés d'objets guerriers. Huit ans plus tard, il est engagé comme agent de surveillance à l'Écomusée d'Alsace à Ungersheim. Il est alors marié à une jeune femme dont il divorce pour aller vivre chez une compagne employée elle aussi à l'Écomusée. Sur le site, Emmanuel Rist aime guetter, surveiller, pister, chasser l'intrus. Malgré les instructions, il est toujours armé de son petit pistolet de la police nazie. Renvoyé de l'Écomusée en 2003 pour une bagarre, il est engagé par une société de surveillance privée au nom évocateur COPS. Il débute comme chef de poste, puis devient rondier avant de passer agent de maîtrise. Il assure notamment la coordination des différents sites de surveillance de la ville de Colmar. De l'accusé, ses proches font le portrait d'un homme à double personnalité. On le dit intelligent, mais borné, bon copain, mais nazi convaincu, beau parleur, mais mythomane. Il ne voulait pas être un homme banal, résume l'un de ses amis. Rist répond comme en écho, « Je n'ai pas d'amis, je n'ai que des relations. » Son avocat insiste sur les traumatismes de la petite enfance. Quels sont les échanges qui se sont nourris entre ses parents qui étaient persuadés que cet enfant allait disparaître? C'est tellement important de toucher un enfant, de lui parler, même quand il est tout bébé, d'échanger, d'avoir du contact. Mais on a dit à ses parents, non, surtout, n'ayez pas de contact, faites votre deuil. Mais c'est un terme hallucinant, vertigineux. Le message qui a été reçu par ses parents, émis par ce docteur complètement irresponsable, à l'endroit de ses parents, est catastrophique. Il est même criminel. À cette évocation, Rist a fondu en larmes, criant que pour ses parents, il était déjà mort le jour de sa naissance. Il en a profité pour abjurer solennellement ses idées racistes et néo-nazies, en quoi il voit aujourd'hui une idéologie absurde. La cour va maintenant s'appuyer sur les psychiatres et les psychologues pour tenter de trier le vrai du faux, et pour essayer de démonter le mécanisme alambiqué du fonctionnement psychique de ce meurtrier très particulier. Je ne sais pas si ces larmes vont émouvoir quelqu'un, hein, mais parce que ce qu'on va quand même démontrer, c'est qu'il pleure surtout quand il s'agit de lui, hein, pour l'instant. Je pense que c'est ce que les témoins ont appelé la double personnalité, qui n'est en rien une évaluation psychologique. Hein. Il n'est pas schizo, hein, ça sort pas du tout du dossier. Mais je pense que c'est ce côté ombre et lumière. Alors il a de la lumière, tant mieux, comme ça, tout un chacun, mais il a une bonne part d'ombre quand même. Hein. La cour. Sur son enfance à Pfaffenheim, sur ses peurs, ses espoirs, Emmanuel Rist est peu prolixe. On sait qu'il idéalisait son père, souvent absent, et qu'il a aujourd'hui rejeté, et qu'il se mettait volontiers en avant. On sait encore qu'il préférait le sport et la nature à l'école. Cela reste peu. Ce qui m'est apparu à moi comme un élément constitutif de la personnalité de M. Rist, c'est une sorte de désordre intérieur ou d'absence d'organisation. Et quand je parle de désordre, tout de suite, on pense à l'ordre. Hein. Donc, il manque l'organisateur. Et dans la théorie psychanalytique, l'organisateur, c'est le père, la fonction paternelle. Donc, et là, il me semble que chez ce monsieur Rist, le peu, parce qu'il a dit très peu de choses hein, sur son père, c'était idéalisé. Et toujours une sorte de règle, d'exigence, de droiture, mais quand même un peu désincarné, c'est-à-dire peu investi affectivement. Ce qui est mis surtout en avant, c'est justement un espèce de sentiment d'absence. Un sentiment qui est encore une fois une espèce de toute-puissance, comme s'il avait pu se faire tout seul, en disant « mes parents étaient la plupart du temps
très absent et je me suis fait tout seul, comme si quelqu'un pouvait se faire tout seul sans les autres. Ses copains savaient que dès l'adolescence, Rist avait placé dans sa chambre un drapeau nazi. Plus tard, il se fera tatouer sur le torse un drapeau allemand. Placé bien en évidence dans son appartement de Soultzmatt, une vitrine regorge d'objets nazis de toutes sortes. Un portrait d'Hitler surplombe son lit et une mitrailleuse lourde sur trépied orne le salon. C'est quelqu'un d'extrêmement nostalgique du Troisième Reich, puisqu'on trouve chez lui toute une série d'objets de collection. Alors c'est vrai qu'on a le droit de collectionner, mais enfin bon, je veux dire, tout le monde ne collectionne pas un tableau d'Hitler, des plaques SS, des armes du Troisième Reich. De l'ensemble du dossier, il ressort que même ses amis disent qu'il parlait énormément du Troisième Reich. Je crois que c'est un de ses frères qui dit « tu en parles plus chez moi parce que j'ai des enfants, je veux plus que tu parles de ça ». Ses compagnes, tout le monde sait qu'il en parle. Non, pas plus que d'autres personnes disent des choses, pas vraiment racistes ou font des remarques, pas plus que quelqu'un d'autre. C'était pas du tout l'image que j'avais de... Bon, je l'appelais Bobby, parce que j'ai toujours appelé Bobby. Moi, Emmanuel Rist, c'est difficile, c'est Bobby. Donc son image, non, pas du tout. On peut être raciste, on peut avoir des idées... que je qualifierais, moi, de stupide et d'inacceptable, sans passer à l'acte et sans supprimer son voisin, quand même. Curieusement, Rist ne se livre à aucun prosélytisme. Il n'est ni militant, ni propagandiste de quelque parti que ce soit. Mais il est fasciné, hanté par le nazisme, au point de se rendre au Tibet et au Népal, sur les traces des SS, qui étaient allés chercher là-bas le berceau de la race aryenne. Il en reviendra habité par un certain ésotérisme, au point de se faire tatouer des runes mystérieuses sur l'avant-bras et d'avoir pris la décision de prénommer son fils Mao. Les autres passions de Rist, ce sont les arbres, la forêt et le sport. À aucun moment, dans son discours vis-à-vis de ce qui pourrait être le sport, il y a l'idée du plaisir, ou même d'ailleurs l'idée de la compétition, curieusement. Il y a quelque chose d'égocentrique dans la maîtrise. En fait, sa notion de sport et la notion de sportivité qu'il avait, plus que de sport d'ailleurs, était une notion de maîtrise complète qui rentrait un peu d'ailleurs dans l'idéologie qui avait été celle du national-socialisme, qui était quand même celle de l'hygiène, mais au sens de la maîtrise par l'homme et de préférence par l'homme supérieur. L'homme supérieur maîtrise tout, y compris son corps. De son histoire familiale, Rist dit tout ignorer. Elle est pourtant étonnamment signifiante. En vertu d'un décret nazi d'août 42, l'Alsace ayant été intégrée au Reich allemand, le grand-père paternel est enrôlé dans les Malgré nous et envoyé combattre sur le front de l'Est sous l'uniforme de la Wehrmacht. Fait prisonnier par les Russes et interné dans un camp en Pologne, il en reviendra par miracle. Le grand-père maternel, au contraire, apparemment rétif à la germanisation forcée de l'Alsace, qui interdisait de parler français ou de porter un béret, est envoyé croupir au camp de Schirmeck. Aujourd'hui disparu, il s'agissait d'un camp de rééducation situé non loin du Struthof, le seul camp d'extermination nazi situé sur le sol français. À l'évacuation des camps, devant l'avance alliée, le grand-père ne sauvera sa vie qu'en se cachant durant de longues semaines. Les deux grands-pères reviendront chez eux, mais ils resteront muets sur les événements de cette période, éminemment sensible en Alsace. Monsieur Rist a besoin d'une idéologie pour habiller une personnalité fragile, une personnalité sans défense efficace. Et donc, il faut considérer que cette idéologie est un bien pour lui. Ça paraît tout simplement comme un supplétif du père, puisque le terme Führer, le terme de leader, le terme de César, pourrait dire, ça représente bien une image idéale de père et celui qui va vous donner une place et qui va vous inscrire, vous allez vous inscrire dans la masse de tous ceux qui donnent leur adhésion à un leader.
À la fin de l'audience, le professeur d'art plastique vient saluer l'accusé. C'est pas une tirade, c'est sincère. Quoi, non, ça mènera toujours une petite pierre à l'édifice pour la finalité. Oui, j'espère que tu n'as pas trop dit de bêtises. Non, il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Bonjour, madame, encore. Merci d'être venu. Allez, à bientôt, par d'autres moyens. Bonne soirée. Je ne sais pas s'il faut, pour se maintenir en vie, trouver une idéologie pour être maintenu en l'air, mais je sais que dans la vie, lorsqu'on a eu des malheurs, on cherche parfois beaucoup de choses pour essayer de se maintenir, beaucoup de béquilles. Alors c'est une idéologie, ça peut être d'autres choses. En l'occurrence, c'est ça qui a maintenu pendant longtemps Emmanuel Rist en l'air. Cette idéologie, elle abonde aussi parce que c'est toujours la même depuis le début. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est quand même une idéologie nazie. Hein. C'est pas une idéologie tout simplement d'extrême droite, c'est franchement nazi. L'avocat général préfère évoquer un fatras idéologique, tout juste bon à jeter aux poubelles de l'histoire. Un autre psychiatre est plus cynique. Rist, dit-il, est remarquablement intelligent et redoutablement inculte. Cette troisième journée d'audience va examiner la dernière facette de la personnalité d'Emmanuel Rist, celle de l'activiste délinquant. C'est son aspect le plus sombre, celui qui inscrit la mort de Mohamed Mazzini dans un contexte, dans une réitération d'actes de haine et de rage destructrice. Maître Betcher connaît bien cet aspect de Rist, pour l'avoir défendu lors d'exactions commises après l'affaire de Gundolsheim, mais déjà jugées. Il ne dit pas la vérité, il dit des choses pour sauver sa peau à lui. Voilà. Et il fait semblant de dire la vérité parce que ça l'arrange, comme ça. Allez, on est parti. La cour et les jurés vont pénétrer dans cet univers très particulier de répugnance de l'autre et de profanation de la mémoire. Au cours d'une nuit d'avril 2004, Rist et deux complices escalade le petit mur d'enceinte de ce très ancien cimetière juif situé au milieu des vignes, un peu à l'écart du village d'Erlisheim. Il brise quelques stèles et recouvre les autres d'inscriptions nazies et antisémites. Au total, 117 stèles sont ainsi profanées. Six mois plus tard, toujours à la faveur de l'obscurité, ils s'introduisent dans la nécropole nationale du Vieil Armand, au lieu des combats de la guerre de 14. Aucune des tombes chrétiennes n'est visée. Rist se contente de baisser le drapeau français et de le remplacer par un drapeau nazi. Quant à la seule tombe musulmane de la nécropole, aujourd'hui restaurée, elle est tout simplement volée. N'importe quelle idéologie n'aurait pu venir habiller M. Rist. Il fallait quand même que ce soit quelque chose qui fonctionne sur le mode de l'exclusion. Moi, c'est bon, et toi, tu es le méchant, le mauvais, et qui est à l'extérieur de moi. C'est ce processus qui est à la base de la paranoïa. Mais manifestement, M. Rist n'est pas allé jusque-là dans son évolution psychique. Pour ces faits, Emmanuel Rist était accompagné de deux comparses. Leur audition montre des jeunes hommes faibles, influençables, aux capacités de raisonnement très limitées. L'image d'un homme contrasté, à double visage, comme l'a dit le président de la cour d'assises, Janus, d'un côté un homme impeccable et d'un autre côté un meurtrier avec un parcours de vie difficile.
Mais il n'a pas toujours été qu'un meurtrier, il n'a pas toujours été un homme agressif. Il a été pendant des années un type bien. Ça aussi, ça a été dit. La question qui se pose, c'est de savoir comment se fait-il qu'à 32 ans, on déraille de la sorte et qu'on n'arrive plus à reprendre pied. C'est une des questions de ce procès. Pour ces profanations, Rist sera condamné à 30 mois de prison. Il avait tenu à les revendiquer au nom d'une mystérieuse cellule dont il était le seul membre, baptisée Tivaz 2882, dont la première lettre était une flèche dirigée vers le haut. On retrouvera ce même numéro, 2882, sur la plaque militaire d'un soldat allemand que Rist portait autour du cou. La cellule Tivaz 2882 se manifestera une nouvelle fois le 8 septembre 2005 dans ses jardins ouvriers en contrebas de la voie express de Roufac. Ces potagers appartiennent à des ouvriers, souvent d'origine maghrébine, tels Labib Ben Amar, 66 ans à l'époque, un Marocain installé en France depuis 66. La boue, c'est la cachée ici. Un kilo de poudre noire et un détonateur relié par une ficelle à l'ouverture de la porte. Alors là, comme ça, alors la porte, il est après chez moi. Là, on va tout voilà. Là. 10 jours, il est resté à l'hôpital. Les oreilles sont parties. Les oreilles sont parties. Non, on a du mal à un œil, il voit pratiquement plus rien, les oreilles, il n'entend plus. Beaucoup de dégâts, ça a laissé. Le jour du procès, il a dit que c'était soi-disant pas une tentative de meurtre. Mais bon, après ça... Lorsqu'il parlait du cabanon, il disait il avait mis donc une bombe pour qu'elle explose lorsque cela s'ouvrait. Il disait « j'ai piégé une structure ». C'est des termes qui me reviennent, je pense que c'est textuellement, ce qui est, pour le moins... surprenant. Donc, effectivement, un des premiers éléments qui saute déjà à la vue, et plutôt à l'oreille du clinicien, c'est un discours rationalisant, effectivement. J'étais ici à Roufac 40 ans, Annie. Il n'y a pas de boulot, jamais. On a discuté avec camarades, avec les Alsaciens, avec les Arabes, jamais, pas de boulot, jamais. Ça vient comme ça, pourquoi? Je savais pourquoi. Pour rien du tout. Pour pouvoir agresser quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'une certaine manière, il faut transgresser des tabous qui sont le fait, par exemple, que actuellement, je n'ai pas particulièrement envie de vous tuer. Vous voyez? Et puis, même si j'en avais envie, je ne le ferais pas. Non, mais je l'ai intégré parce que vous êtes un être humain comme moi. Pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus simple, il y a à considérer l'autre comme étant totalement différent, donc l'aliéner complètement, et le chosifier parfaitement, c'est-à-dire le considérer simplement comme une cible, et plus du tout comme un être humain comme vous. Parce que si vous continuez à le considérer comme vous, à un moment donné, soit vous ne passerez pas à l'acte, soit, ce qui est pire, vous pourrez passer à l'acte en ayant des remords ou de la culpabilité. Pour l'explosion du cabanon, Rist est poursuivi pour tentative de meurtre. Finalement, la cour d'assises ne retiendra que des violences volontaires et le condamnera à 10 ans de réclusion criminelle. Concernant Rist, l'histoire judiciaire bégaye. Comme dans la mort de Mazzini, son système de défense dans l'affaire du cabanon consistait déjà à prétendre ne vouloir la mort de personne et à renier spectaculairement ce qu'il nommait déjà cette idéologie absurde qui l'avait conduit, comme malgré lui, à commettre les faits reprochés. Ça ne vous fait pas passer devant une cour d'assises de dire à un monsieur « dégage », c'est épouvantablement raciste. Mais pour aujourd'hui, on ne passe pas devant une cour d'assises pour ça. Donc le reconnaître, c'est ce... comment dire, c'est mettre... forme de crédibilité
de son côté. C'est-à-dire, je vais vous avouer, je vais vous dire la vérité. Voilà, c'est moi, Rist, méchant, habité par des idéologies nazies, qui m'en suis pris à ce pauvre marchand de tapis qui ne m'a rien fait. Je le reconnais. Voilà, mais ça a dégénéré du fait de ce pauvre marchand de tapis qui est devenu agresseur. Et ça, c'est certainement pas vrai. Et ça, c'est pas crédible. Voilà. Et en fait, tout ça s'est monté de manière à ce que les jurés lui fassent confiance. À la veille du verdict, la situation pénale de l'accusé est la suivante. Il cumule les deux peines de 30 mois pour les profanations de cimetière et de 10 ans pour le cabanon. De ce fait, il ne peut pas envisager une libération conditionnelle avant 2015, sous réserve bien sûr du quantum de la nouvelle condamnation qui lui sera décernée demain. C'est la dernière journée du procès d'Emmanuel Rist. Il connaîtra ce soir, avec ce nouveau verdict, son sort judiciaire définitif. Ce matin, le président a prévu un long contre-interrogatoire de l'accusé afin de tenter d'éliminer les dernières zones d'ombre du dossier. Il s'agit de savoir si, oui ou non, Emmanuel Rist a prémédité le meurtre de Mohamed Mazzini en lui tendant à Gundelsheim, rue du Château, un guet-apens, une embuscade. La seconde question consiste à essayer de quantifier le degré de sincérité de Rist quant à son reniement du national-socialisme. Les réponses à ces deux interrogations conditionnent le verdict. Sur son emploi du temps, durant les heures précédant le crime, Emmanuel Rist est toujours resté flou. On sait qu'il finit son service à l'écomusée vers 7h45. Il a toujours prétendu s'être attardé sur place avant de quitter les lieux. Ensuite, il dit être peut-être passé par le garage attenant au domicile de ses parents, à Bergsheim, mais personne ne l'y a vu. Enfin, il affirme arriver à Gundelsheim après 12 heures, alors que plusieurs témoins disent avoir aperçu sa voiture dans le village avant 11h30. Bref, Rist n'a aucun alibi sérieux pour les 3 heures précédant le crime. L'accusation en tire profit pour déduire que Rist a parcouru la région en quête d'une cible qu'il a finalement trouvée en la personne du marchand de tapis. Dès lors, le guet en haut de la rue du Château et le pistolet placé dans la poche suffisent à établir la préméditation et donc l'assassinat. Un deuxième élément est tout aussi troublant, sinon plus. Au matin du 17 mars 2001, soit exactement 5 jours avant le crime, les habitants du village d'Ozenbach découvrent placardé sur leur mairie un tract signé NSAA 2882, déjà ce chiffre fétiche de l'accusé. Le texte appelle les Alsaciens, je cite, « à ne pas baisser les bras devant la race inférieure et à devenir des combattants d'Hitler ». Pour accusation et partie civile, la proximité chronologique ne peut être le seul fait du hasard. Dès le 17 mai, Rist était en chasse d'une cible à abattre. Dans le box, Rist maintient sa version. Il a rédigé le tract, mais la mort de Mohamed Mazzini, auquel il ne voulait qu'infliger une humiliation, n'a rien à y voir. C'est la chasse au bougnoul, voilà. Moi, je pense que le fait qu'il ait fait le guet, qu'il se soit planqué, qu'il ait regardé progresser, qu'il ait pris l'arme pour sortir de la voiture, il avait des intentions criminelles. Et il les a annoncées par tract, collées sur la porte de la mairie. C'est quand même assez rare. Le directeur ou la directrice de l'enquête a clairement expliqué qu'ils ont émis des hypothèses et que ces hypothèses n'ont pas pu être vérifiées. Partant de là, si des hypothèses qui sont, encore une fois, le seul privilège de la défense et pas de l'accusation, on ne peut pas fonder une condamnation sur une hypothèse. Si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, elles ne peuvent pas servir de support nécessaire à une condamnation ou à tout le moins retenir la circonstance aggravante de la préméditation. Ça, c'est clair. L'enquête n'a en effet pas pu établir de contact antérieur entre l'accusé et sa victime. L'avocat général balaie cet argument d'un revers de manche.
Rist était bien en expédition punitive ce matin-là. Il a repéré Mazzini et il a organisé son assassinat. La cour. Reste la dernière question. Rist dit-il la vérité en affirmant que la prison l'a fait réfléchir, qu'il a changé et qu'il considère aujourd'hui que le nazisme ne peut apporter, selon ses termes, que de la souffrance. Maintenant, il découvre qu'il y a des livres sur les camps de concentration et il a un regret, c'est de ne pas les avoir lus avant. Donc je ne sais pas très bien pourquoi il a besoin de lire ça aujourd'hui. Ça peut, tout ça est très très ambigu, hein, très ambigu. Je trouve ça... c'est prendre les gens pour plus haut qu'ils ne sont, je pense. À la demande du président Meyer, César Redondo, l'expert psychologue, a revu Emmanuel Rist juste avant l'audience, 5 ans après son premier examen. Il explique dans son rapport que le revirement de l'accusé lui semble convenu et opportuniste, même s'il a au moins le mérite d'exister. Quant au fonctionnement psychique de Rist, l'expert ne décèle guère de changement. Il ne faut jamais désespérer. Je dirais, dans la situation actuelle, toutes choses étant égales, dans 10 ans, il sera la même chose. Il faudra qu'il y ait quand même des éléments, des choses qui changent, et un travail sur soi qui ne peut pas se faire tout seul. Ah, c'est ce que tu disais. 22-18, par l'équipe psychiatrique. Voilà. Interne en psychiatrie. A été reçu en entretien les 5 et 31 mai dans le cadre de l'instauration d'un suivi. Il raconte des conneries. Encore. Hier, il nous disait, ça fait 3 ans. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, incroyable. Évidemment, ce sont des convictions qui se font et qui se défont. D'un côté, un ministère public qui croit jamais, de toute façon, qu'une personne soit susceptible de redevenir meilleure. Et d'un autre côté, vous avez un homme qui l'a crié, qui l'a pleuré. Il l'a dit avec ses mots, tout en pleurant. Je veux dire, le constat, on a pu le faire. Alors après, ce sont les jurés qui décideront. Après le réquisitoire, au terme duquel l'avocat général réclame une peine de 30 ans de réclusion, assorti de la période maximale de sûreté, soit 22 ans, et la plaidoirie de la défense, la cour et les jurés se retirent pour délibérer. On y va ? On va se changer les idées. Et on revient. D'accord. Voilà. À tout de suite. La délibération des 3 magistrats et des 9 jurés, 5 femmes et 7 hommes, se concentre sur 2 points clés. Le premier concerne bien sûr la préméditation du crime. Le second est plus technique. Après l'adoption à la majorité d'une peine pour la mort de Mohamed Mazzini, les juges ont 2 options. Décider que la peine qu'ils vont prononcer englobera les 10 ans de réclusion déjà prononcés pour l'attentat du cabanon, ou rejeter cette confusion. Dans ce dernier cas, Rist devra purger l'addition des 2 peines dans la limite du maximum encouru pour le crime le plus grave. Après 3h30 de délibéré, l'audience va reprendre pour la lecture du verdict. L'accusé Emmanuel Rist est-il coupable d'avoir à Gundolsheim le 22 mai 2001 volontairement donné la mort à Mohamed Mazzini, en l'espèce en lui tirant une balle dans la tête? La réponse est oui à la majorité de 8 voix au moins. Sur la question de circonstances aggravantes ainsi libellées, le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation, en l'espèce après que l'auteur ait recherché la victime dans la commune de Gundolsheim, l'ait guetté au volant de son véhicule et à pied, et lui étendu un guet-apens? La réponse est non. En conséquence, la cour et le jury,
à la majorité absolue, condamne Emmanuel Rist à 20 ans de réclusion criminelle. Par décision spéciale, à la majorité absolue, fixe à 13 ans la période de sûreté et rejette la demande de confusion de la présente peine avec celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 13 mars 2009 par arrêt définitif de la cour d'assises du Haut-Rhin. La cour d'assises du Haut-Rhin a condamné Emmanuel Rist pour homicide volontaire sans retenir la préméditation à 20 années de réclusion criminelle, dont 13 de sûreté. Elle a rejeté la confusion des peines, contraignant le condamné à les purger toutes successivement. Il n'a pas été relevé appel du verdict, qui est donc devenu définitif. Tu fais appel ? Ouais.